C'est Pierre Brassard qui vous souhaite la bienvenue en attendant Ben Laden, votre divertissement hebdomadaire sur l'actualité et la vie. Avec moi, mes amis et collaborateurs, Jean de Duforme, en forme! Ah! Venez-moi, c'est quasiment pas croyable! Et Chantal Lamar, en forme! Mais comme dirait François Castel, super en forme, moi! Alors, place aux variétés Brassard! Nouvelle surprenante provenant du Liban, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a fait son mea culpa en s'excusant d'avoir kidnappé deux soldats israéliens. Il a dit que s'il avait pu deviner les conséquences catastrophiques qu'a eu cette action sur son pays, jamais Hezbollah n'aurait capturé ces deux hommes. Et dans un élan de générosité, le chef du Hezbollah a également tenu à s'excuser pour la robe de la mairesse Boucher. Oui. De la nouvelle coupe de cheveux de Wilfred. Ouais. Et le mamelon sur Internet de Lucie Laurier, bien sûr. Ah! J'ai fait YouTube, je ne l'ai pas trouvé la fin de semaine. Non. OK, toujours sur le sujet de la guerre, on reste dans la guerre. TVA, le Journal de Montréal et Radio-Canada se livrent depuis une semaine à une véritable guérilla médiatique concernant la qualité de l'eau des piscines de Montréal et de Laval. Propre, clame Radio-Canada. Sale, riposte TVA. Voici comment l'équipe de Ben Laden a vu cette bataille. Ici Céline Galipeau. Contrairement à ce que prétend TVA et le Journal de Montréal, sur l'ensemble des 74 piscines montréalaises, seulement 9 seraient jugées non conformes. Bref, allez jouer dans l'eau, tigidou fly fly. Bullfit, baliverne, blablabla, à Radio-Canada et aux experts de la ville de Montréal. Hey, c'est pas 9 piscines, là, qui sont crottées. Il y en a 52, hein. Puis ça, c'est pas juste François Paradis puis TVA qui le disent. C'est les experts que TVA ont engagés qui le disent. C'est pas pareil. Je reçois des facs, des facs, des facs, des facs, des facs, des facs. L'eau des piscines est tellement propre qu'on peut non seulement s'y baigner, mais la déguster. Madame. Soupçon de chlore, teinte de vanille, un bon petit boire. C'est des égouts! Je viens de recevoir un fac de Zinette de Issoudun qui nous dit que de son demi-sous-sol, elle a une vue directe sur une piscine de Montréal. Et Zinette nous dit c'est pas créable. Elle nous dit que quand elle flotte sa toilette, elle voit le niveau de la piscine qui baisse, hein? C'est clair, c'est net, c'est sale, ça que c'est, hein? Tellement propre qu'on la recommande même pour les baptêmes des nouveaux-nés. Ad nomine Padre Spiritu Sancti. Oh, c'est une petite fille, tigidou lai lai, boum boum! Savez-vous comment ils nettoient les bords de piscine? Avec ça, madame, monsieur! Oui, avec ça! Hey, je reçois un sac de vinaigre qui me lance un défi de boire de l'eau. Bien sûr, ouais! 900 dentistes sur 10 la recommandent pour les nettoyages de dentiers. Ici Céline Galipeau. Bonsoir. Zinette! Ceci n'était qu'un sketch, mais si, au lieu de se faire la guerre, nous nous tenions tous la main, on aurait beaucoup, beaucoup de misère à nager, mais plus de fun aux toilettes. Merci. Merci. La gigolette. Ah ben, vous savez, le mandat d'En attendant Ben Laden, c'est non seulement d'enfiler des perruques, mais aussi de faire exploser des citrouilles, mais surtout de bien vous informer. Alors, dans un souci pédagogique, nous avons demandé à notre ami Jean-René Dufort de nous expliquer comment se fabrique un bon portage. Jean-René Dufort!
effectivement, Pierre, écoutez, j'en ai fait des reportages en même temps. Je suis capable d'apprécier d'excellents reportages, mais c'est difficile d'expliquer qu'est-ce qu'un bon reportage quand on n'a pas un exemple d'un bon reportage. Oui, il y a des étudiants qui nous écoutent aussi. Oui, et j'en ai trouvé un exemple de bon reportage. Bon, il vient de notre ami Paul Larocque. Excellent journaliste. Ça aurait pu venir de n'importe quel réseau de télé parce que d'excellents reportages, il y en a partout et croyez-moi, c'est vrai. Et je vais vous présenter qu'est-ce qu'un bon reportage en information à l'aide de cette petite baguette. Je vais me déplacer ici. On prend des notes. Oh boy, c'est son premier déplacement. Oui, c'est mon premier déplacement. Bravo, bravo, Jean. Quelle grâce. Alors, est-ce que c'est bien comme ça? Oui, bravo, tu es en position, tu es dans la lumière. Alors, premièrement, pour un bon reportage journalistique crédible au téléjournal ou un peu partout, ça prend un sujet fort et ça prend des journalistes et des présentateurs crédibles. J'ai un exemple, on écoute le début du reportage ici. On va vous parler de ce client d'un Tim Horton en Outaouais qui en a eu une, vraiment une mauvaise en mangeant son beignet. En fait, il a découvert une mouche, oui, une mouche dans son beignet qu'on appelle un Timbit. Certains d'entre vous le connaissent sûrement, Mathieu Bellumeur, donc de quoi couper l'appétit ce midi-là. Oh boy! Ah! Alors, gros sujet, il y a une mouche dans un Timbit à Gatineau. Que faire? Immédiatement, vous voyez, on envoie quelqu'un live, une coupole satellite, des dépenses d'à peu près 2 500 $. Quelqu'un est live, en direct, du Timbit lui-même. Et évidemment, il y a l'heure en bas, et puis donc ça va encore plus sérieux. Excité. Oui, oui. Et là, le journaliste y va avec du human, du vrai et du drame. On l'écoute. Oui, tout à fait. Une nouvelle peu ragoûtante. Le client que nous avons rencontré a acheté cette boîte de Timbit. Non, mais ça, c'est excellent. Alors, si vous voulez devenir journalistique, parlez pas de nouvelles théoriques. Quelle boîte de Timbits? Quelle Timbits? Ou la mouche? Dans cette boîte-là, pas d'une autre boîte, celle-là même. Alors, on a vraiment l'évidence devant nous. On écoute la suite. Comme il le fait régulièrement, il en a mangé plusieurs et à un certain moment a trouvé une mouche donc sur son petit beignet. Nous l'avons vu, nous l'avons filmé, vous les voyez sur les images. La mouche qui est comme encastrée presque dans le beignet. L'homme prétend donc que la mouche était à l'intérieur de la boîte lorsqu'il a sorti le petit beignet en question. Heureusement, il ne l'a pas mangé, il ne l'a pas goûté. Il l'a vu juste avant. Je vous invite à écouter de quelle façon il s'est rendu compte que sur son Timbit, c'était bien loin d'être un raisin ou encore une brisure de chocolat. Oh. Alors, vous avez vu, image ça, qu'on est passé du témoin au Timbit sur une petite borne de béton. Alors là, on va entendre le témoin. Ce qui est important la suite, dans un reportage comme ça, c'est vraiment le témoin, il faut qu'il soit crédible. Oui. Oui, alors écoutez ce que le témoin a à dire. Je mangeais mes Timbits, puis là, j'ai... Moi, j'ai le don à garder mon manger avant de le manger. Fait que j'ai figuré, avant de le manger, j'en gardais, puis là, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose de bizarre dessus, là. Quoi? Alors, on est chanceux, parce qu'on est tombé sur un témoin qui a un don de regarder son manger avant de le manger. Donc, c'est quand même bien, et c'est très important de tomber sur les bons témoins. Mais malheureusement, quand on est un journaliste et que c'est jour férié, c'est plus difficile d'obtenir la réaction de la partie patronale. On écoute. Monsieur, vous avez parlé avec le gérant et le propriétaire qui, on peut le comprendre, se sentent piqués par cette histoire-là. Qu'est-ce qu'ils ont à dire aujourd'hui? Ah ben, écoutez, ils disent que ça ne peut pas arriver, que les petits beignets en question arrivent déjà tout préparés, qu'eux ne font que les mettre au four. Ils nous ont référé à Tim Hortons également. Le siège social de l'entreprise est en Ontario. C'est congé civique aujourd'hui, donc on n'a pas de commentaire de ce côté-là. Mais une histoire, vous l'avez dit, à couper l'appétit en 7 heures de lunch. Oui, voilà qui est dit. Merci à vous, Mathieu. Oui, c'est sûr que c'est difficile de faire un reportage quand c'est jour férié, hein, tout le monde est en vacances. Mais il faut toujours terminer avec des beaux petits jeux de mots piqués. Puis comme ça, vous allez avoir un excellent reportage. Mais je rappelle, il faut vraiment un sujet fort. Alors, c'est ça, Pierre. Bravo, Jean-René. Bravo. Bravo. Une pièce d'anthologie enseignée à l'UQAM et dans tous les grands cégeps de communication. C'était Jean-René Lefort qui, une fois de plus, a fait mouche. Ah, c'est bon ça. Nouvelle planétaire. Eh bien, gros choc dans le domaine des planètes, c'est incroyable. En effet, l'Assemblée générale de l'Union astronomique internationale, alias une gang de puceaux de 48 ans, a voté l'exclusion de Pluton du cercle très fermé des planètes. Alors, bien que Pluton vient de perdre sa job de planète, la célèbre boule de glace croule déjà sous les offres d'emploi. C'est ainsi qu'on la retrouvera dès cet automne à l'émission Caféine de TQS ou encore en campagne à la chefferie du Parti libéral fédéral et finalement comme joueur de centre sur le premier trio du Canadien. Ah.
Dans un autre ordre d'idées, on apprend que, enfin, excellente nouvelle pour Guilla Lepage, créateur de la série Un gars, une fille. Après avoir conquis le trois quarts de la planète, les aventures de Guy et Sylvie seront vues par des millions d'Américains sur la chaîne TBS. Le très populaire animateur ne craint pas que ce nouveau succès lui monte à la tête. Par contre, c'est à la surprise générale que le Congrès des astronomes a déclaré que la tête de Guy Lepage pouvait maintenant se qualifier comme 9e planète en remplacement de Pluton. Ah. Nouvelle, on n'est plus maître chez nous. La bière Slimun vendue aux Japonais, Jean Coutu qui se départit de ses pharmacies américaines. Le Québec procède-t-il à la vente de garage de ses entreprises? C'est ce que pense Chantal Lamarre. Oui. Des explications, s'il vous plaît! Mais oui, mais oui, mais quel été, mes frères? Ben oui, ben pas une semaine, ça qu'on apprenne qu'on est encore en train de vendre un petit peu de nous autres. Quand même, c'est triste, vous l'avez dit, hein? Jean Coutu, qui vend son réseau Rite Aid, Domtar, qui passe aux intérêts américains, Intra-Ouest a un accord de vente, déjà avec une firme new-yorkaise. Mais là, moi, je me suis dit, regarde, à quoi bon désespérer, franchement? Moi, toutes ces nouvelles m'ont donné soif et je me suis dit, pour vous annoncer... Mais oui, ça, on s'en prend toujours. C'est une bière étrangère. C'est une bière qui est passée aux mains étrangères. Maintenant, on va voir si la maudite goûte japonais. Ça, c'est une bière japonaise. Oui, exactement. Oh! Alors, j'ai décidé de vous chanter sur l'air d'une chanson canadienne. Ben chez nous à répondre. Les ventes de l'été. Alors, ça va comme ceci. Tiens, Jean-René. Oui. Laisse-moi aller. Bourre-toi en face. Joli collet. Alors, ça sera une chanson à répondre. Pour boire, il faut vendre. Pour boire, il faut vendre. Ma caisse de maudite. ma caisse de maudite. On l'a vendue aux Japonais, mais vont-ils l'en boire? Car j'ai bien hâte de voir des guichets avec des bédaines de bière. Armez-vous à boire, s'il vous plaît, ça va vous durer une demi-heure. Pour boire, il faut vendre. Pour boire, il faut vendre. Mon galon de peinture. On l'a vendu à la Hollande et je me demande si tu dures de tenir un pinceau sur un escabeau quand t'es un sabot. Pour boire, il faut vendre. Pour boire, il faut vendre. Ma farine five rose. Ma farine five rose. Et je suppose que ta farine au Saint-Rose aura sûrement des implants lorsqu'elle reviendra des USA. Pour boire, il faut vendre. Pour boire, il faut vendre. Oh non, mon magasin labé. Mon magasin labé. On l'a filé au voisin d'à côté. Maintenant, on sait où acheter des culottes molles en coton ouetté. Excusez-la. Bravo. Merci beaucoup, Chantal. C'est bon? Eh bien, c'est maintenant l'heure des nouvelles de l'autre bord. Bonsoir, ici Pierre Renaud pour le TVA de 18h. Eh bien, c'est la rentrée. Alors, les bambins retournent sur les bancs d'école. Papa retourne au travail et maman ressort du cabanon son vibromasseur. Routine que tout cela. Allons voir si c'est la même chose à Paris avec notre ami Claude Charron. Claude, bonsoir. Bonsoir, Claude. Mais qu'est-ce qu'il y a, Claude? Oh, j'associe la saison automnale et le spleen de chez soi. Oh, vous avez le vague à l'âme. Ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas, bien sûr? Si. J'ai des pulsations et je sue sous les échelles. Ah, vous suez sous les échelles? Si, je sens du tchou aussi. Ah, vous sentez du tchou? Ben, mettez du ménène, Claude! Non? Je préfère le secret. Ah bon, à votre guise. Écoutez, relaxez un peu, ça va faire du bien, là. Bon. Le Québec me manque tellement, Pierre. Oui. Si j'étais une chanchue, je crois que je sucerais la fleur de lys. Ah, la fleur de lys, notre symbole national, vous savez, sur le drapeau, bien sûr. Donnez-moi des nouvelles du Québec. Eh bien, il y a Michel Richard là, qui a été arrêté une fois de plus pour conduite en état d'ébriété. Je pourrais écrire une lettre. Ah oui, vos fameuses lettres percutantes et rassembleuses, allez-y! Lettre à la Boisson. Cher Boisson, qu'on te prenne straight ou on the rocks, tu saoules ta star autant que le simple citoyen. Pas mal, bien dit, mais il n'y a pas que ça, Claude, il y a d'autres choses. Quoi de plus, l'ami? Ben, y a les feux de circulation de Montréal qui sont maintenant synchronisés, imaginez. J'en ai trop! Pas les feux synchronisés! J'ai toujours aimé la synchronie. Lettre à la synchronie. Que tu sois... Merci, Claude. Et bon automne à Paris, bien sûr. Hein? Donc, Pierre, j'ai quelque chose à vous dire. Pas une lettre à Paris, la calice. Non, quelque chose de plus important. Oh? Musique, j'oumine tout ce que tu veux. Oh! De la musique! C'est tellement convivial. Oh, mon Dieu! C'est la grande famille TVA. Allez-y, Claude! You are the one for me.
Formidable. My God. Ça va, Claude? Qu'est-ce qui vous arrive, Claude? Est-ce que vous avez changé votre médication? Je voudrais un jour. Comment ça va, la maladie mentale? Combien de doigts vous voyez, là, Claude? De l'écrire. Non, le fétif ferme à gueule, là. C'est pas tant, ça. Ça va se ramasser sur YouTube pendant 10 ans, là. Non, mais faites quelque chose. Il y a peut-être meilleur derrière la machine à écrire, n'est-ce pas? Ben oui, c'est ça. Donc, enlève-moi ça, ça coûte 16 000 piastres, je le duplex. Sors-moi des ondes, s'il te plaît. Voilà, ça fait du bien. Bravo, Claude, on l'applaudit. Ah ben, c'est tout pour les nouvelles TVA. À la prochaine! Nouvelle écolière, eh bien, c'est la rentrée scolaire et on apprenait cette semaine que le Québec est sur le point de vivre une pénurie de professeurs. Alors, pour commenter cette crise, un méga tour des fous, à commencer par la délicieuse Louison Dany. Ah! On est des zigorans, puis on s'apprête à former une autre génération d'zigorans. Des vrais crapets scolaires, des cruches, des crétins. Puis parlant des pères, moi, je cède la parole à André Arthur. Déjà? Oui! J'ai un message pour la gang de Chichtaouk puis de Charwama du Liban qui viennent de débarquer au Québec. Hey! Salut, Abdoul! On vient de donner un triple pontage pour un chèque de BS. Ça te tenterait pas de donner un petit cours de français on the side au lieu de passer des journées à te pogner à merguez? Pas vrai, Léopold Lauzon? La pénurie de professeurs à l'école, je trouve ça bien plate. Je cède la parole à Gilles, t'es-tu prêt? Si vous manquez, les Québécois ne comprennent pas. Là. Si vous manquez des profs, là, je suis là. Je peux enseigner les maths aux Québécois, là, puis aux Québécois, je peux donner des mathématiques, là. M'en aller faire des additions, là. T'as un party de fête, là. T'invites 30 libéraux, plus 30 conservateurs, plus 30 NPD. Ça égale quoi? Un maudit party plate, là. Oublie-moi pas, là. Puis vas-y, là, Benoît Dutrisac, là. Inexplicablement accompagné d'un gars qui a le rhume d'un foin. Je suis là. Quand j'entends, moi, tabac, je manque des profs d'un crap, ça me manque calvaire. Moi, c'est à l'école que j'ai appris à m'exprimer, ça. Je vais vous dire que mon français, oh, est impeccable. J'ai que ça, il n'y en a pas ici. Moi, mieux à TQS. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais! T'as le rhume en tabarnak! Au cœur de la pointe, dans la cour de récré, chaque élève me regarde intrigué, chaque fille semble me mépriser. Mais pourquoi donc êtes-vous venu dans cette classe de mal aéré, à part pour me dire que j'ai l'air frappé? Nanana! De retour après la touche, on dit bon sur les minutes! Essaye d'avoir l'air calme, comprends-tu? Alors, chers amis, est-ce qu'on a une émission dense, chargée, touffue, doudue cette semaine? Pleine de poils de détruire. Ce soir, je vous offre mon guide de survie pour les gagnants du jackpot à la loterie et on reçoit un animateur, comédien, homme orchestre et le chouchou du Québec, M. Marc Labrè! Oui, Jean-René! Ben, on va jaser aussi avec notre voisine de studio, la très aimable et très sensuelle France Beaudoin. Et au laboratoire, je vous propose la solution ultime au problème d'embouteillage de la rentrée et je fais exploser un melon. C'est super! C'est la dernière dans l'attendant Ben Laden. Au retour de la pause, France Beaudoin! En attendant Ben Laden, je me demande à quoi ça sert de faire un bac en études hongroises. On enchaîne maintenant avec le nouveau jeu favori qui passionne le Québec. La réponse est dans la question. Sors les blédaïdes! Est-ce que vous pensez que pour la dernière fois, vous pourriez... Ah, puis on laisse faire. On jouera pas ce soir, je pense. Ni cette semaine. Non. Une chance. On veut jouer, s'il te plaît. On aime ça quand même. On est capable. On va l'avoir une dernière fois. S'il te plaît! OK. La question nous vient d'un reportage sur nos inlassables soldats de retour d'Afghanistan. Alors, on écoute tout de suite la question.
Chaque militaire qui arrivait avait droit aux applaudissements et aux accolades. Et vous, vous êtes content de le revoir? OK, oh. vous êtes content de le revoir. Jean-René, t'as une chance, c'est ta dernière chance. OK, pour moi, elle va répondre, son épouse, il est allé en Afghanistan, à Kandahar. Elle va répondre, t'es-tu malade? J'ai pas eu le temps de faire le ménage dans le salon. OK, ménage dans le salon. Chantal, c'est une possibilité. Bravo, ouais. Chantal. Mais là, c'est un bout de temps qui est parti. Là, moi, je pense qu'elle va plutôt répondre, non, je couchais avec mon beau-frère et je commence à aimer ça. OK, c'est une autre possibilité. Donc, à la question, êtes-vous content de le revoir? A, Jean-René dit qu'à Kandahar, il n'a même pas fait le ménage. B, je couchais avec mon beau-frère. Ça, c'est Chantal. Ouais. On se croise les doigts. Là, c'est là. La dernière. On écoute la réponse. Là. Vous, vous êtes content de le revoir? On l'avait pas vu venir! Non. Voici d'ailleurs une femme qu'on ne voit pas venir non plus et qui n'a pas peur de se frayer un chemin parmi le monde des milliardaires. Chantal Lamarre, en toute humilité! Ah ouais, chinétac! Pickle, c'est vrai que t'aimes ça, toi, les riches, les milliardaires, l'argent. Oui, mais il faut se rendre à l'évidence. Au Canada, on a dépensé 13 milliards en divers jeux de loterie. On aime beaucoup, beaucoup le gratteux, le banco, et puis on rêve tous d'Yves Corbeil. Mais non, 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 ce n'est pas si facile que ça, gagner un gros, 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 gros montant. Oh non, parce qu'au Canada, on doit le déclarer. On doit faire une conférence de presse et prendre une photo avec le gros chèque en bois. On est obligé. On est obligé. C'est la loi, c'est ici, comme ça ici. Ici seulement. Oui, alors c'est assez difficile. Et puis, heureusement que les loteries ont vraiment mis sur pied une liste de conseils pour ceux qui viennent de se rendre compte qu'ils avaient gagné un gros, gros prix. Alors, je suis heureuse de vous donner les conseils. Alors, notez bien. C'est un peu la misère des riches, finalement. Là. C'est pas facile. Oh non, non, on peut se mettre dans vraie misère. Oh oui, oui. Laissez-moi vous expliquer. Il faut commencer toujours par vérifier si on a bel et bien gagné. Pas comme le gars du West Island là, qui a eu une petite palpitation quand il a vu qu'il y avait le numéro gagné. Ben oui, finalement, ben c'était pas le bon numéro. C'était pas le bon numéro. Non, c'est l'Auto-Québec qui a le bon numéro. Okay. Deuxième chose, vraiment, c'est... Fermez-vous! Ah oui? Ah oui, on nous dit à tout le monde, voisins, à nos amis, au curé de la paroisse, à tout le monde, il ne faut pas dire qu'on vient de gagner un prix. Discrétion. Non, discrétion totale, totale, totale. Même à sa femme sur l'oreiller. Essaye de dormir maintenant. Ah oui. Oui. Troisième chose qu'on nous conseille, n'encaissez pas l'argent. Non, faites affaire d'abord avec un planificateur financier. Okay. L'idée, c'est de prendre du temps et de réfléchir surtout. Alors, on nous dit aussi de mettre le billet gagnant dans un Ziploc. Ah oui? Oui. Bien, oh oui, c'est vraiment ce qu'on nous conseille de faire. Bien, pour le protéger, alors il faut qu'il soit très, très loin des enfants, du chien, du soleil, du radiateur, du barbecue. Ouais. Et protéger authentique, finalement. Et de se souvenir où est-ce qu'on l'a mis aussi. Vous ne voulez pas, dans tout cas. Okay. Faites attention. Quatrième chose, faites votre testament ou refaites-le, parce que là, la donne n'est vraiment pas change, la même chose. Change. Oui, oui. Et cinquièmement, on nous dit, gardez la même routine. Ah. Allez au travail avec les collègues, les amis. Tu sais, faites le plein. Faut faire mine de rien. La seule chose, quand on vous demande comment ça va, vous avez le droit de faire... Ça, on a le droit quand même de faire ça. Et six, préparez-vous à dire non et changez de numéro de téléphone parce que là, ça va être la grande sollicitation. On ne va pas se retrouver comme la famille Dion. Alors, nous avons décidé, nous, de faire une vraie simulation de ce qui arriverait. Okay. Alors, imaginons-nous, les gars, que nous trois avions acheté un petit billet et que nous venons de gagner 47 millions de dollars. On garde le veston. Voir si ça change le monde. Alors, voici notre quel environnement décor. Merveilleux. Oui, quel T'en environnement prie, merveilleux. Mmh, alors, assoyez-vous. Et puis, bon, on se souvient de la première consigne qui dit qu'il faut vraiment se fermer la boîte. Okay. Alors, moi, je pense que le temps estimé que moi, j'imagine, comprendrait avant de hurler notre joie serait autour de 5 secondes. OK, 5 secondes. Il ne faut pas en parler, on n'en parle pas. On reste tranquille. Quel genre de face qu'on fait? Je n'en ferai aucune face. Fais pas de face. Et c'est tout de suite après qu'on ferait probablement une danse exaltante de la joie. OK. Wouh! 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 Bon, et là, évidemment, on deviendrait des nouveaux riches. Fait qu'on serait vils et vaniteux. Fait qu'on se mettrait à porter la fourrure. Ah, ben même oui. Amenez-en la fourrure. Ben oui, amenez-en. Ah, tiens, oui. Ben, madame. Oh, OK, merci. Ça, c'est le tien. Oui. Et puis là, ben c'est ça. Première chose, j'imagine qu'on ferait, ce serait améliorer notre apparence. On serait comme des vrais Californiens. Fait que, gars, Jean-René, je te proposerais un micro-blanchiment des dents comme ça à faire à la maison. Oui, là, t'aurais un beau, beau sourire hollywoodien. Et puis toi, ben, je te paierais la meilleure des micro-greffes, hein, parce qu'avec un toupette, ça pogne rare. Oh, t'aurais joué 20 ans. Je me sentirais bien. Je me sentirais powerful. Je me dépêcherais de téléphoner une clinique californienne pour m'acheter un beau Fat Buster. C'est quoi? Ben, tu imagines faire de la liposuction maison. Ah oui? Fait que je pourrais me tirer du gras du derrière en tout temps.
Ben oui, ça marche vraiment, cette affaire-là? T'es certain? Regarde ça! Deux belles livres! Oui! Fait que commande-moi un sous-marin boulette. Merci beaucoup. On va commencer. Oh! 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 Alors là, on pourrait tomber dans notre vice, les garçons. D'éthylisme chronique, et je pense qu'on serait en général plus souvent sous qu'à jeun. Ah oui, fait que moi, je le prendrais en intraveineuse. Je deviendrais quelqu'un de vraiment agréable. Ben oui, le champagne, comme ça, que je me brancherais ma main. Prenez donc un cognac, les gars. Ah oui, oui, avec plaisir. Oh! Ah, merci, merci, Mon Dieu! Mais qu'est-ce que ça fait? On serait toujours sous. On serait toujours sous, puis bien. Mm. Puis on aurait un grand réseau de contacts. Alors, quand on veut quelque chose, ça arriverait assez vite. Comme par exemple, moi, je pourrais faire un téléphone qui pourrait ressembler à ceci. Lâche pas le champagne. Non, je lâche pas. C'est parce que t'as de l'argent, là. Oui, oui. J'en ai. À Vito. Pourrais-tu, s'il vous plaît, mon beau garçon? Tu sais, le chanteur qui m'énerve. Exactement. au revoir, Vito. Bon, c'est ça, c'est de la puissance. Et là, on écoute la radio pour voir qu'est-ce qui arrive. Nous apprenons à l'instant le décès accidentel du chanteur James Blunt, écrasé par un éléphant au centre-ville de Plattsburgh. Hé, un éléphant! Musique. Oh, mon Dieu! You're beautiful! You're beautiful! C'est triste pareil, hein? Ça fait aussi triste, hein? Ah, le temps maudit de paix! Et là, moi, j'imagine que je serais lousse un peu. J'aurais envie très souvent de vous faire des petits cadeaux, comme celui-ci, regarde. Je vais aller vous chercher quelque chose, les gars. Vous allez lâcher de m'affaler. J'ai vraiment quelque chose pour vous autres. Elle joue bien ça, la riche, pareil. Entrez donc, les filles. Ah, moi, j'ai un beau toupette. Ben, quoi, des filles? C'est Eva et Amélie. C'est exactement ce que vous vouliez, les gars. Tiens, Jean-René, à Cri, tu vas aimer ça? OK. Oui. Puis moi? Puis toi, Harry, à toutes les faces. OK, bien... Exactement ce que tu avais besoin. Vas-y, essaye. Le chanteur préféré des 15 hières, Johnny Cash! Ça marche, merci. C'est exactement ce que tu voulais. Et moi, quand elle a peur, elle crie. Ah, elle a peur. OK. Yeah! Ah, mais bravo, bravo! On est-tu assez bien? On est-tu bien? Merci beaucoup pour tous ces cadeaux. Bien, certainement millionnaire. Merci beaucoup, Chantal. Revenez-nous après la pause pour le laboratoire du fort, oui. Merci. En attendant Bernadette, je fais aux chiens ce qu'on devrait faire aux hommes qui couraillent. Surprise! La prochaine invitée partage ses soirées avec nous à la télé et elle partagera bientôt ses nuits blanches avec son bébé. On accueille France Beaudoin, mesdames, messieurs! Notre charmante et délicieuse collègue et voisine aussi. Oui, bienvenue, France. On se voit peu, mais c'est bien. Non, mais on peut se voisiner, c'est le fun. Et d'ailleurs, pour pas qu'on se sente un peu dépaysé, on peut se voisiner avec notre clôture ici. Oui, ça fait c'est sûr. Alors, tu es dans ton studio, on est dans le nôtre. C'est formidable. J'aime beaucoup ton concept. C'est accueillant. Oui. Mais moi, je suis encore, je suis du bon bord à la clôture. Oui. Non, non, mais ça va bien. As-tu envie de la sauter? Non, non, on va attendre la permission. J'ai eu un toupette, toi, quand même. Ben oui, j'ai eu mon toupette, tout va bien. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, oui, parfait. Oui, oui, très bien. France, tu as déjà été journaliste. Au début, tu faisais des reportages. Est-ce que tu te rappelles de ton premier reportage? Ah, si tu me sors ça, là, je cours. Hein? Non, non, il l'a pas, il n'y a pas de problème. Mon tout premier reportage, en fait, premièrement, j'avais étudié en radio, je n'avais pas étudié en télé, mais il y a un boss qui m'a téléphoné en me disant « Viendrais-tu passer l'audition? » Et je me suis retrouvée le soir même en ondes en lui disant « Écoute, je ne connais rien dans la télé. » Je me suis retrouvée chez des immigrants qui venaient de débarquer ici et heureusement, ils ne comprenaient pas un mot de ce que je disais. Et moi non plus, parce que je ne savais pas ce que je faisais et ça a super bien tombé. Je me souviens. Ah oui? Et donc, on peut trouver en quelque part une cassette parce que tu as quand même été. Je pense qu'on ne peut pas. Non, ah oui, honnêtement, ça non, ça les archives, détruit. Ça, ça c'est on n'était pas autant des DVD, tout ça. Donc, mais lectrice de nouvelles, on peut trouver. Non, arrête-moi. Non, mais on peut trouver une cassette, le grand journal avec France Beaudoin. C'est supposé être agréable. Ah, mais c'est le fort. Non, mais moi aussi, j'ai commencé à lire les nouvelles aussi. Tu souffrais à lire les nouvelles? Non, c'est pas que je souffrais, c'est juste que probablement que c'est comme le reste, ça doit changer. Ben c'est bien. Et à 18 ans, tu as déjà... Là, je comprends qu'on ne l'a pas, hein? C'était juste pour faire monter la pression. Ben oui, mais c'est pas bon, ça. À 18 ans, on pourrait dire, de façon un peu résumée, que tu as déjà participé à un coup d'État.
au Venezuela. Ah, ben oui, en fait, je m'étais fait prendre, là, parce qu'on était partis, ma sœur et moi. Moi, j'avais 18, ma sœur avait 14. Ma mère avait l'ouverture d'esprit et la grande générosité de nous laisser partir comme ça. On voulait partir toute seule. Et on s'est retrouvés là-bas, on ne pouvait plus revenir, les avions ne revenaient plus. Et c'est ça. On pouvait... En fait, finalement, on a pu revenir à la date prévue, mais pendant, ça a été une semaine d'enfer pour ma mère qui ne savait pas quand est-ce qu'on allait revenir de là. Donc, tu as connu les soldats dans la rue. J'ai c'est un beau voyage. De la porte de la chambre. Ah, oui. Le fusil et tout. Et le fusil et tout, avec les coups, avec tout ce que tu voyais dans les nouvelles, avec les autobus qui arrivaient manger à notre hôtel parce qu'il n'y avait pas de bouffe ailleurs. Non, on a connu le... Mais c'était la naïveté de l'époque, puis c'était tout va s'arranger, puis la confiance, hein. Heureusement. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vivrais dans c'est ce qu'on appelle un tout inclus. Un tout inclus, oui. Oui, c'était un forfait à volonté. Tu as fait des choses flyées, je trouve. Tu as quand même. Oui, tu as hébergé un nageur tchèque pour la traversée du lac Memfremagog chez toi. En fait, j'ai toujours eu l'intérêt de savoir comment vivent les gens ailleurs. Moi, aller vivre à l'hôtel 5 étoiles, c'est pas nécessairement mon trip. Ce que je préfère, c'est aller vivre directement chez les gens. Alors, aussitôt qu'annoncé à la radio, on a besoin de familles pour héberger. Oui. Moi, je prenais le téléphone, je faisais venir chez nous. Divertissement en perspective. Voilà. Alors, oui, il y a eu des Tchèques, il y a eu des joueurs russes pendant toute la période des fêtes. Ils étaient débarqués chez nous le 23 décembre jusqu'au 1er janvier. Vraiment, ça peut être le party? Écoute, un Noël rock russe, oui, effectivement. Ah, oui. Beaucoup de vodka, hein, j'imagine. Oui. En fait, moi, je leur avais fait un buffet, mais vraiment un buffet parce qu'ils en arrachaient dans la vie, il n'y avait pas de vêtements, puis c'est bon. Alors, moi, je voulais leur faire vivre l'abondance à quelque part. Ah, bon, salut, ça va bien? Ben, salut, man, sérieusement, man, je pensais à quoi, là, sérieux, man? J'avais une idée de même, là, gros, là, sérieux, ah. Ah, c'est genre une initiation. Ah, une initiation. Man. Ben, parfait, là, bonsoir. Je pensais à quoi, non, mais ben, sérieusement, c'est parce que je sais comment trouver Ben Laden. Ah, oui. Alors, c'est un ancien membre des Colocs qui a fait une visite surprise. Oui. On lui présente la sécurité de Radio-Canada. Ben oui, c'est ça. Jean-René connaît ça, la sécurité de Radio-Canada. Oui, oui. Mais juste pour revenir au nageur tchèque... Je suis contente d'avoir vécu ce moment-là avec vous. Là, on a coupé le son, mais on a entendu des coups de feu. Tout va très bien. Oui. La peur avec vous, c'est qu'on ne sait jamais si c'est vrai ou pas. Hein? Non, mais ça, c'est vrai. T'as remarqué que nous non plus, on le sait pas. Non, mais ce qui est bizarre... Ce qui est bizarre, c'est qu'il est venu, il s'est placé au milieu de la clôture. Là. Il n'a pas choisi de camp en particulier. Non. La prochaine fois, allez voir Bernard de Rome. Ah oui, vous avez déjà fait ça. Oui. Ben malheureusement, on le sait. On parlait de quoi? On parlait du parti. Moi, je pensais que c'était un tchèque ou un russe. Mais moi aussi, je pensais que c'était un tchèque qui arrivait. Oui, bon. Mais tu pourrais l'héberger, par exemple. Je pourrais, oui. Oui. Non. Au pire, il restera chez le voisin. Oui, ouais, c'est ça. En tout cas, tu as une bonne fin de saison. Je pense qu'il va être bien hébergé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, France. On va te laisser aller tantôt ton émission. C'était France Baudouin et un caméo. Il suffit de lire le Journal de Montréal demain pour tous les détails. Ouais. Ben, retour de la pause, c'est le Laboratoire du Fort. À tout de suite. Bye bye. En attendant Ben Laden, j'écœure tout le monde en roulant dans le sens inverse du trafic. Nous sommes de retour à l'émission en attendant le prochain fou. Alors, Jean-René, qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette dernière? Non, on peut y pardonner. Moi, dans le temps, à Sherbrooke, on avait enlevé Jean-Luc Mongrain. Ah, j'aurais dû le garder, c'est ben une blague. Oui, ben oui. Alors, c'est plate, il est parti pour l'expérience parce qu'aujourd'hui, je veux régler deux problèmes en même temps. Parce qu'on l'a vu dans les journaux récemment, il y a énormément de problèmes de congestion à Montréal. C'est la rentrée. Oui, c'est la rentrée. C'est jamais partout. En plus, l'essence coûte une fortune. Donc, évidemment, avec l'essence, on peut essayer de cheaper un peu sur le plein en utilisant une petite voiture comme ça qui ne coûte pas beaucoup mais ça prend quelque chose de plus agressif pour se frayer un chemin à travers des caries. Comment? Alors, j'ai pensé modifier une ancienne expérience que j'avais faite l'année passée et de l'utiliser pour vraiment devenir la terreur des autoroutes. Et j'ai nommé le lance-patate motorisé. Wow! Wow! Oui, alors, aide-moi. Aide-moi, on va placer ça pour la voiture. Alors, ça s'installe sur n'importe quel rack à ski. Okay. Alors, vous installez ça ici et préférablement, si vous avez un toit ouvrant, c'est fantastique. Ben alors, oui, c'est parfait. Puis là, on a le temps de le monter cette nuit. Vous installez ça ici et là, vous rentrez dans votre voiture. Mais étant donné que c'est la saison, c'est pas vraiment la saison des patates, mais c'est la saison du blé d'Inde. Je vous suggère de tirer des blés d'Inde plutôt parce que c'est pas mal plus raide ça va réussir à trouer peut-être le camion en avant. Ça peut nourrir une famille de 5 personnes. Oui, alors ce que vous faites, c'est que vous vous installez. Évidemment, je vous rappelle que ça fonctionne au secret. Le lance-patate
patate. Alors ici... Au secret? Oui, oui, du secret assez fort pour lui, mais conçu pour... Alors ici, vous mettez deux shots comme ça de... Ici, comme ça, avant de partir. Du secret, ouais. Oui, oui. Oui, c'est le combustible, le secret. Mmh. Alors, vous vous installez dans votre voiture et vous roulez sur des carrés ou sur l'autoroute comme ça. Pardon? Et là, je vais juste viser pour pas tuer un caméraman. Oui, c'est ça, là. T'es à l'air bien aligné. Comme ça. Et là, vous conduisez et là, l'allume barbecue, comme je vous avais montré, elle fonctionner, traîne ici comme ça. Alors, vous roulez. Y a-t-il un blé d'Inde dedans, monsieur? Ben oui, y a un blé d'Inde dedans. OK, tu l'as rentré. Je suis parfait. Un professionnel. Ben oui. Oui. Alors, vous roulez sur des carrés, il y a quelqu'un devant vous, qu'est-ce que vous faites? Vous klaxonnez, ça ne marche pas. Vous tirez. Wow! Ouais. J'aurais dû le tenir. Oups! J'ai-tu tué quelqu'un? Non, ça va. OK, ça va. Anne Fortin, est-ce qu'elle répond? Alors, c'est son coin. Ça tire très fort, Anne Lédaine. Je pense que t'as attrapé le gars qui est venu au studio tantôt. Non, alors ça, c'est à utiliser. J'ai reçu énormément de courriels cet été, à savoir, est-ce que tu pourrais faire exploser un melon? C'est la folie un peu partout sur la planète. On fait exploser des melons. Est-ce que vous pouvez... Ça va être très rapide. C'est pas compliqué faire exploser un melon. C'est une expérience que j'ai déjà présentée ici, mais c'est une petite modification. Pour faire exploser un melon, en terminant, ça prend un melon. Vous videz le melon. OK, là, je le vois, là, il est vide. Il est vide, là. Oui, alors, on le voit comme ça. Tiens, l'actualité, il n'y en a pas beaucoup, ces temps-ci. Alors, vous prenez une bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau comme ça. Ouais. Vous la videz à moitié. Et vous utilisez la célèbre glace sèche. Ah, ben oui. Comme ça. Alors, comme moyen de réussir. Alors, ici, on en a, je vais mettre mes gants. Oui, les gants, monsieur-là. Des gants comme ça. Il préfère les verres. Oui, oui. Est-ce qu'on en met une autre? Non. Alors, ce que vous faites, c'est que vous placez encore un petit peu de glace sèche comme ça dedans. Oui. Dans et la glace sèche va évidemment se sublimer, produit du gaz et évidemment va créer une pression. Non, mais Chantal, reste ici. Voyons, Chantal n'a jamais eu peur en 17 émissions. Non, Chantal. Alors, ce que vous faites, c'est que... Non, mettez vos... on sait jamais. Oui, ça peut tiens ça parce que tu vas mettre ça dans le melon, toi. Ah, OK, je vais mettre mes gants d'abord. Mets tes gants. Vite, on n'a pas de temps. Okay, Marc, la brèche s'en vient. Oui. Alors, on la ferme. Mets ça dessus. Cachez-vous au-dessus de la table. Vite. Cachez-vous au-dessus de la table. Mais oui, mais innocent, on rentre pas en dessous. Là, vous avez juste à attendre. Généralement, ça prend à peu près 30 secondes. Oh. Attends, bougez pas. Ben oui, mais ça va péter. Non, mais qu'est-ce que... Tabaslac! Moi, là, je suis plus capable. On va avoir besoin d'un lavoto. Alors, des heures de plaisir assurés. C'est comme ça qu'on fait exploser. Ben, bravo, Jean-René. Bravo, Jean-René Dufort, après la pause. Marc Labrèche. En attendant, Ben Laden, je joue du violon puis je m'en viens bon. Prochain invité, c'est un acteur, un animateur, un chanteur, un danseur, un auteur. Bref, c'est le couteau suisse du showbiz québécois. Il nous fait l'honneur de participer d'ailleurs pour une deuxième année consécutive à notre dernière émission, Marc Labrèche! Bravo! Bonjour! Ce sont des jello électriques. Bon, c'est ça, on m'avait dit qu'il y avait de l'alcool. C'est plein de vodka, c'est Anne Fortin qui nous a fait ça avec amour. C'est quoi des jello électriques? C'est du jello, de la vodka. Il y a toujours une petite, un petit orifice, un petit trou. On le gobe et puis ça, c'est le bol pour les petits... Mais ça, vous avez déjà commencé, vous avez dit du vin. On le gobe pour le bain, c'est pas propre. Ben oui, c'est ça. Vous faites la répétition, vous buvez, puis vous faites le choix. On n'est pas capable. Là, alors... C'est bon, maudit, je vais goûter un verre. Tiens, une minute, tu vas encore restituer. Arrête, c'est pas trop fort, parce que t'es bien émotif. Quand tu bois trop, je sais ce qui arrive, moi. Ben oui. Écoute, alors, tu enlèves tes dessous. Ben oui, c'est là que je deviens cochon. Ta nouvelle vie de Montréalais? Oui. T'en vas bien? mauvais timing pour la question, madame. Le plastique, tu ne le manges pas, Marc, par exemple. J'attends juste de... Non, mais tu le retires. Tu le retires comme un sachet. Oui. Là, tu le mets là. Mais il faut vraiment fouiller jusque dans les quatre coins pour vraiment voir.
Mmh. Ah, wow. Feeling total, c'est délicieux. Donc, la vie à Montréal va très bien. Ben oui, c'est parce que j'ai déménagé il y a un mois à peu près. Ça va très bien. On peut-tu essayer un verre? Oui, c'est de toutes les couleurs. Mais c'est bon. Moi, ça me rend saute. Donc, ça se passe bien, t'es heureux. Oui, excellent. Et vous? Ben oui, ça va bien. C'est votre dernière? Oui, on est content que tu sois là. Et pendant que tout le monde est en forme, on devrait jouer à quelques arpents de la brèche, les garçons. Ah oui, allons-y. C'est le fun. Pour mieux connaître Marc. Oui, pour mieux connaître Marc. Alors, les garçons, si vous connaissez la réponse, vous avez juste à gober un petit cube vert. Mais moi, je réponds, c'est que. Toi, tu vas nous aider. Ok, moi, je te connais. Ok, d'accord. Mais regarde, là, c'est une catégorie facile. Ça te concerne une catégorie trophée. Lequel de ces deux prix Marc Labrèche n'a pas remporté? Un flash d'or ou un hot d'or? Un hot d'or. Un hot d'or. On n'a pas eu encore, hein? Non, non. C'est pas faute d'avoir essayé. Non, pas j'essaie. C'est en production perpétuelle. Ben oui. Mais non. C'est le prix des films porno, là. Oui, oui, c'est ça. Mais le flash d'or, ça, c'est la catégorie de la personnalité qu'on se tente jamais de voir. Et toi, Marc, te tannes-tu de te voir, des fois? Oui. Oui. C'est-tu vrai? Ah oui, absolument. Oui, mais là, on se dit, écoute, ça, c'est quand même, t'as atteint un statut avec ça, là. Non, mais c'est pas. C'est pas c'est quoi? C'est un nouveau. Tu vas être chaud, hein? Oui. T'as-tu vomi? Non, mais non, mais non, mais non. Déjà, tu n'as pas de bon sens, Jean, non, arrête. J'ai attrapé un sachet solide. OK. Ah oui. Oui. Une double portion. Mais là, on s'est dit que tu atteignais presque un niveau de sainteté. Fait que j'ai des petites questions pour toi. Là, oui, pas si, oui, ta génération pour répondre à ça. Est-ce que le jour de la Saint-Marc, tu suppures de façon quelconque? Oh non, je suppure pas. Mais j'ai des extrémités qui suintent des fois à l'occasion. Là, mais à cause d'événements très précis, quand les émotions s'en mêlent, bien là, évidemment, oui, il y a beaucoup de liquide qui s'évapore en même temps. Oui. Je savais que tu allais répondre. Oui. Bien, c'est ça. Mais non, mais je le dis franchement, je le dis honnêtement, c'est pour ça que j'étais plus à l'aise de faire ça en banlieue avant, dans un petit coin, mais là, je l'assume. Je le fais en ville. Vous me trouverez au parc Jeanne-Mance en train de suinter des extrémités. Ah, ouais. Est-ce qu'il y a des parties de ton corps que tu pourrais guérir à distance ou de mon corps, par exemple? Que je pourrais guérir à distance? Je ne sais pas du tout. Faudrait d'abord qu'on essaye de. Es-tu atteinte de quelque chose quelque part? As-tu une partie de ton corps que tu as besoin d'être. Je te laisse le temps de répondre. Pas pour le moment, non? Non, OK. Tout va bien. Toutes tes parties fonctionnent bien. Mm-hmm. As-tu envie parfois, Marc, d'être écoché, empalé ou toasté? C'est-tu le jello? Je comprends rien. Je comprends pas, moi non plus. Les trois sont intéressants. Les trois, c'est trois expériences que je connais pas. Le premier, ce serait quoi? Toasté. Je finirai avec l'empalement. Qu'est-ce qu'on devrait garder de Marc Labrèche comme relique? Dans une basilique, par exemple. Là. Mettons comme relique. Ben là, éventuellement, évidemment, je vais faire changer mes dents. Un jour, je n'aurai plus. Je vais me faire poser quelque chose. Je n'ai pas choisi le modèle encore. Je commence à regarder dans les catalogues s'il est disponible en ce moment. Je sais que dans 10 ans, ça va changer. Encore dans 10 ans, je suis bien optimiste. Peut-être que dans 5 ans, déjà, je vais être limité au choix qu'il va avoir là. Peut-être que si jamais j'ai des dents un jour que je pourrais laisser, là, je vais laisser ça. Au musée juste pour rire. Au musée juste pour rire, ben oui, la catégorie. La question la plus importante, Marc, c'est est-ce que tu es comme le gars de Gatineau et que as-tu toi aussi le don de regarder ton manger avant de le manger? Ouais. Oh, oui. Oui. Je regarde le manger, oui, je regarde le manger longtemps avant de le manger. Je regarde le manger tout le temps. Je trouve que c'est une des plus belles choses qui existent. T'es jamais tombé sur une mouche encastrée? Non, j'ai jamais une mouche encastrée nulle part. Il est chanceux, ce gars-là. Il ne se rend pas compte de la révélation qu'il y a eu. Parles-tu à ta nourriture? Oui. Bon, ça m'arrive beaucoup moins souvent qu'avant. Ah oui? Au début, quand j'ai commencé à y parler, oui, ben là, j'avais beaucoup de choses à dire parce que j'avais des longues années où j'avais jamais parlé j'avais beaucoup d'amis à ce moment-là. À un moment donné, mes amis sont partis, m'ont déserté, fait que là, le seul contact que j'avais avec des entités vivantes, c'était des cellules à manger. Fait que je me suis mis à... Là, je leur parlais, je les suçais, je les remettais dans la sieste, T'as du fun, hein? Non, parce que j'ai le temps de prendre une discussion. Vas-y. Moi, je trouve que t'as des amis partout. On va parler de convergence, OK? Comment s'appelle, les boys, l'émission de Consum Entertainment animée par Marc Labrèche à Radio-Canada? Le Freak Show. Exactement, c'est ça. Marc, es-tu à l'argent, toi? J'aime l'argent comme tout le monde. Ouais. Quand t'en as pas, tu... Quand t'en as, c'est merveilleux de pouvoir profiter de l'argent. Ben oui, certain, je suis privilégié, c'est le fun, ça. T'aimes quoi dans l'argent, toi? Les vacances. Ouais. Les vacances. Ouais. À peu près ça, les vacances. Ouais, ouais. Sincèrement, bon. Oui. À part ton cachet que tu vas faire ici ce soir à Ben Laden, c'est quoi ta plus belle passe d'argent? Que t'as fait dans toute ta carrière, ma là? Ma plus belle passe d'argent. Oui, 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 ça c'était payant, là. Wow! Ouais, ouais. Bien, ça dépend. Des fois, tu peux être présent quelque part pas longtemps, puis tu te dis, mon Dieu, c'est payant, c'est indécent. Oui. Puis des fois, tu es là, tu travailles très, très fort, tu es payé correctement, mais c'est pas là, je sais pas, la meilleure part d'argent. Ça va être le film avec Arcan, là? Non, je pense que c'est... sincèrement, je pense que... Non, je pense que c'est les pubs là, de voix, là. J'en ai pas fait beaucoup, mais ça m'a sauvé la vie. À un moment donné, j'avais... La pire gaffe que tu as faite avec du fric, là? Oh, non, ça m'intéresse terriblement. Mais c'est pour t'aider que je fais ça, mais tu sais bien... Qu'est-ce que t'as acheté de niaiseux que t'as trop cher, là?
de niaiseux qui coûtait trop cher. Ouais, du gadget. Ah, non, je ne suis pas gadget, non, moi. Mais je pensais, il y a eu une... On a fait une émission de freak show sur le sexe, l'industrie du sexe. Et il y avait une démonstration qu'on a eue, ils appellent ça des fuckerware. Ouais, c'est des, une gentille jeune fille qui vient, puis qui montre, qui fait une soirée Tupperware, mais avec des instruments sexuels à utiliser. Mm-hmm. Puis il y avait, je voulais l'acheter pour le producteur Michel Bissonnette, qui est ici dans l'entrechambre. Oui, oui, oui. qui cherche désespérément à avoir un peu de fun dans la vie. Alors, il y avait un petit... Il y avait un petit dauphin qui s'applique sur la base du sexe masculin. Et un dauphin. Alors, c'est comme un flipper. C'est un dauphin pour homme. Attends, laisse-moi filer. Oui, c'est un dauphin pour homme. Okay. Alors, ça s'insère autour de l'instrument de plaisir et tu peux soit tourner la tête du dauphin si t'es gêné, tu mets la tête en bas puis il te regarde pas le dauphin. Sinon, il peut te regarder puis là, il y a des vitesses après ça puis il paraît que ça fait des... Bon. Et j'ai failli l'acheter pour lui. Ça aurait été la grande dépense. Je l'ai jamais acheté. Je l'ai jamais trop Michel, tard. Ben non, c'est un producteur, il se la payera. Oh. Ben, merci beaucoup, Marc. C'est déjà tout. C'est déjà tout. Et merci Marc, alors c'était notre dernière émission. Alors il paraît que Oussama Ben Laden est toujours au large, donc il y a des gros risques qu'on doit être obligé de revenir ici l'année prochaine. Alors si personne n'attrape, ça va nous faire plaisir parce que Chantal, Jean-René et moi, on aime ça à trois, n'est-ce pas? J'aille pas ça. Alors c'est avec énormément de bonheur qu'on s'est retrouvés chaque mercredi avec vous, clairsemé. Mais brillant public. Alors, ainsi que nos invités, merci à notre équipe extraordinaire qui fallait se farcir, mais qui a réussi à accomplir vraiment des exploits extraordinaires avec un budget africain, mesdames, messieurs. Oui. Alors, c'est notre ami France Baudouin qui est là. Et merci beaucoup, Marc. Ça me fait plaisir. Puis bonne dernière, bravo pour votre été. Puis là, vous allez tout au Continental. Oui, tu viens avec les nous. Les gens qui veulent aller féliciter l'équipe, rendez-vous au Continental. Oui, c'est Saint-Denis, Montréal. Bye! Ouais, t'as avec ça! Hey, je reçois un sac de vinaigre qui me lance un défi de boire de l'eau. Bien sûr, ouais! 900 dentistes sur 10 la recommandent pour les nettoyages de dentiers. Ici Chiline Gaillipo. Bonsoir. Ginette! Ceci n'était qu'un sketch, mais si, au lieu de se faire la guerre, nous nous tenions tous la main, on aurait beaucoup, beaucoup de misère à nager, mais plus de fun aux toilettes. Merci. Merci. La gigolette, la gigolette. Ah ben, vous savez, le mandat d'En attendant Ben Laden, c'est non seulement d'enfiler des perruques, mais aussi de faire exploser des citrouilles, mais surtout de bien vous informer. Alors, dans un souci pédagogique, nous avons demandé à notre ami Jean-René Dufort de nous expliquer comment se fabrique un bon portage. Jean-René Dufort! OK, toujours sur le sujet de la guerre, on reste dans la guerre. TVA, le Journal de Montréal et Radio-Canada se livrent depuis une semaine à une véritable guérilla médiatique concernant la qualité de l'eau des piscines de Montréal et de Laval. Propre, clame Radio-Canada. Sale, riposte TVA. Voici comment l'équipe de Ben Laden a vu cette bataille. Ici Céline Galipeau. Contrairement à ce que prétend TVA et le Journal de Montréal, sur l'ensemble des 74 piscines montréalaises, seulement 9 seraient jugées non conformes. Bref, allez jouer dans l'eau, tigidou fly fly. Bullshit, baliverne, blablabla, à Radio-Canada et aux experts de la ville de Montréal. Hey, c'est pas 9 piscines, là, qui sont crottées. Il y en a 52, hein. Puis ça, c'est pas juste François Paradis puis TVA qui le disent. C'est les experts que TVA ont engagés qui le disent. C'est pas pareil. Genre... C'est Pierre Brassard qui vous souhaite la bienvenue en attendant Ben Laden, votre divertissement hebdomadaire sur l'actualité et la vie. Avec moi, mes amis et collaborateurs, Jean-René Duforme, en forme! Ah! Venez-moi, c'est quasiment pas croyable! Et Chantal Lamarre, en forme! Et comme dirait François Castel, super en forme, moi!
Alors, place aux variétés Brassard! Ben, nouvelle surprenante provenant du Liban, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a fait son mea culpa en s'excusant d'avoir kidnappé deux soldats israéliens. Il a dit que s'il avait pu deviner les conséquences catastrophiques qu'a eu cette action sur son pays, jamais Hezbollah n'aurait capturé ces deux hommes. Et dans un élan de générosité, le chef du Hezbollah a également tenu à s'excuser pour la robe de la mairesse Boucher. De la nouvelle coupe de cheveux de Wilfred. Et le mamelon sur Internet de Lucie Laurier, bien sûr. J'ai fait YouTube, je ne l'ai pas trouvé la fin de semaine. À toi des facs, des facs, des facs, des facs, des facs, des facs. L'eau des piscines est tellement propre qu'on peut non seulement s'y baigner, mais la déguster. Madame. Soupçon de chlore, teinte de vanille, un bon petit boire. C'était des vigous! Je viens de recevoir un fac de Zinette, Zinette de Issoudoune, qui nous dit que de son demi-sous-sol, elle a une vue directe sur une piscine de Montréal. Et Zinette nous dit, c'est pas créable. Elle nous dit que quand elle flotte sa toilette, elle voit le niveau de la piscine qui baisse, hein? C'est clair, c'est net, c'est sale, ça que c'est, hein? Tellement propre qu'on la recommande même pour les baptêmes des nouveaux-nés. Ad nomine Padre Spiritu Sancti. Oh, c'est une petite fille, tigidoulaïlaï, boum boum! Savez-vous comment ils nettoient les bords de piscine? Avec ça, madame, monsieur!